panneaux leur font chier. Avec leur macramé, leurs grands vêtements fleuris et leur air abruti. Et comme s'ils n'étaient pas assez nombreux ici, bas font des enfants à qui ils donnent des noms de granola. Soleil, la flamme, lui, Gaudier. Marie-Québec, Morissette. Arbre, la forêt. Humus, Langevin. Ce sont des noms ridicules qui font chier. Pour faire contrepoids à ces noms granola. Moi, si j'ai un enfant, je lui donnerai un nom naissant. Moi, si j'ai un fils, je l'appellerai pas Fabrice, ni Patrice. Je vais le nommer Maître Robert. Maître Robert. Maître Robert. Maître Robert. Si les granolas peuvent donner aux leurs des noms de fleurs, et le vétérinaire donner aux siens des noms de chiens, si les communistes peuvent donner des noms communs aux leurs, moi qui suis éveillé, si j'en ai, j'appellerai mon premier Hitler. C'est mon droit de parent. Fuck you si vous êtes pas content. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Mon exemple ne manquera sûrement pas de faire boule de neige, si bien que dans quelques années, dans tous les collèges, quand le professeur va prendre les présences, ça ne sera pas rare. Non, non, non. Pinochet Robitaille. Présent. Paul Pot Massicotte. Présent. Staline Guillaume. Présent. Saddam Lapalme. Présent. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert a foxé. Il s'est encore défilé. Malgré toutes les remontrances, il multiplie les absences. Au lieu d'aller à l'école comme les autres petits mongols, il joue aux jeux vidéo. Il vole des revues porno. Il va fumer en cachette. Change pas de cap, il s'entête dans sa dérape. Impossible qu'on leur échappe. Il est nul, il est nul, il est nul. Ouais, ouais, Hitler Robert.